Après deux jours de traque, les forces israéliennes encerclent enfin la planque d'Omar Abou Laya. Il se trouve dans le village d'Abou Ayn, entre Ramallah et l'implantation d'Ariel. Hier soir, toutes nos unités ont fermé le bâtiment où il se trouvait. Le terroriste a ouvert le feu avec un M16. Nos unités ont répondu immédiatement et le terroriste a été tué. Le premier ministre israélien et ministre de la Défense a félicité les forces de sécurité. Je félicite le Shin Bet, l'unité spéciale antiterroriste Yamam et Tsahal pour l'opération qui a amené à l'élimination du terroriste qui a assassiné le soldat Gal Kaidan et le rabbin Ahiyad Ettinger. Israël atteint tous ceux qui s'en prennent à nos civils et à nos soldats. Les familles des victimes sont-elles soulagées? Nous remercions l'armée de défense d'Israël et les forces de sécurité qui ont accompli leur devoir et ont neutralisé le terroriste qui a tué celui qui nous était cher, Ariad, ainsi qu'un soldat israélien. Que leur mémoire soit bénie et qu'ils soient vengés. Et nous demandons au gouvernement israélien d'éradiquer le terrorisme et d'ordonner l'expulsion de la famille du terroriste, de toute sa famille. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne et le Shin Bet ont arrêté plusieurs proches d'Abou Laya. Ils ont également pris les mesures de son habitation en vue d'une prochaine destruction.